Hey, c'est tout le monde, c'est Wilton, j'espère vraiment que vous avez touché tout très très bien, moi en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui je suis malade comme un chien. Mais j'étais obligé de tourner cette vidéo car aujourd'hui nous sommes le 13 novembre. Et qui dit 13 novembre dit sortie de Black Ops 2 il y a 7 ans, jour pour jour. Ça fait 7 ans que j'ai sorti Call of Duty Black Ops 2. Et comme j'avais fait une vidéo l'année dernière déjà, je crois que j'en avais même fait une l'année d'avant, je me suis dit on va faire une petite vidéo dessus. Du coup voilà, on va lancer une petite match à mort par équipe. On va profiter un peu de ce moment vu que voilà, c'était 3 ans, j'allais dire 7 ans que Black Ops 2 est sorti, c'est incroyable. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué de toute ma vie. Il est sorti il y a 7 ans. Et ça je sais, mais oh bordel, je vais avoir moins 100 jours de jeu. C'est pas possible. C'est en grande partie grâce à ce jeu que j'en suis ici aujourd'hui sur YouTube. Mais c'est ouf de me dire qu'il est sorti il y a 7 ans. Ça me fait à la fois mal au cœur et ça me fait plaisir, on va dire. Alors on est parti dans une game qui a déjà commencé sur la map Standoff. Et voilà. Oh putain, plus cette map mythique. Cette map est légendaire. C'est une map légendaire de Call of Duty Black Ops 2. Ijacket, Nuketown 2005, Gred et Standoff. C'est pour moi les 4 maps légendaires de Black Ops 2. Ah, il y a un modeur. En plus, il s'appelait David Lafarge, mais il a pas l'air d'hacker, donc ça fait plaisir. Oh, ouf. Premier kill de paix, migration des autres instants, hein. Le mec il a vu Walter, il a eu peur et il a quitté. Il a bien eu raison. Oh là, ça va être le fad, là ça va être... Putain, mais lui il en pompe. Oh yeah, j'ai réussi à le tuer, j'ai pas lâché le bouton R2. Ça me fait tellement plaisir de retrouver sur ce Call of Duty, voilà. Comme vous savez, c'est mon Call of Duty préféré, je pense que c'est aussi le vote pour la plupart d'entre vous. Mais ça, je comprends, pour moi, ça restera le meilleur Call of Duty qui ne soit jamais sorti. La maniabilité est incroyable, les maps, je les trouve incroyables, enfin, ça dépend lesquels. Il y a Aftermath, Turbine, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus incroyable. Mais putain, mais ils passent leur vie à camper, on se croirait sur Modern Warfare, oh. Vas-y, allez vous faire enculer, en fait. Allez, cassez-vous, vous deux. Oh, oh non, putain. Oh, je déteste cette falle. Oh, je la hais. Oh, oh, mais... Ah, ah mais... Oh, mais qui voit l'âge? Oh, mais qui voit l'âge? Qui voit l'âge? Hein, fils de pute. Mais c'est... Waouh, c'est... On en croise très souvent sur Call of Duty Black Ops 2, hein. Eh, regardez-moi ça, par contre, mais... Regarde-moi ça. Oh, sniper, le mec, il assume pas. Mais t'es une merde, Akebi. Allez, en plus, ça campe. Allez, casse-toi, toi. Campeur de merde, putain, mais vraiment, les campeurs, oh, les gars. Grandissez un peu, mûrissez, je sais pas. Faites un effort, sérieux. Sérieux, mais le David Lafarge, là, bon, je parle pas du youtubeur, mais de la personne en partie, c'est incroyable quand même d'être autant une merde. Sérieux, quel plaisir t'as joué en activant ton putain d'imbot de merde, là. Regarde-moi, gros fils de pute de merde, tu gâches le jeu, allez, casse-toi. Ah, je suis désolé, mais là, ça devait sortir au bout d'un moment. Sérieux, les gars. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, on est parti sur map turbine, ça m'a relancé le chargement, je sais pas pourquoi, écoutez. Hein. Ah, j'en peux plus, là. Je suis malade comme un chien, surtout que là avec mon lycée on est en train de tourner un court-métrage dont je suis acteur. C'était horrible parce que j'avais la gorge en feu pendant tout le tournage, j'étais là, j'étais pas bien. Vraiment, j'ai le pire timing pile au moment où je dois tourner un truc important. En plus c'est un truc qui va passer au grand Rex et tout. Bah je me retrouve avec la gorge en feu, complètement en feu, enflammé. Mais bon, j'ai quand même réussi à jouer mon rôle d'acteur. Ah merci, j'arrive enfin à trouver une game, sérieux, ça m'a viré de turbine là. Ah, on se retrouve sur Studio. Studio aussi elle est légendaire, mais bon, vu que c'est la map Fairground, j'ai un peu remake. Et faire remasteriser tout ça, ou voilà quoi. Allez, on est parti, muni de notre N94. En espérant qu'il n'y ait pas de modeur, parce que quand on voit le prestige du mec en face, j'ai des doutes. Allez hop, la petite doublette pour bien commencer mon arrivée en game. Oh, oh non, mais c'est sérieux, mais ça reprend. Mais what, mais c'est quoi ça? Oh les gars. En plus t'es nul, t'as réussi à te susciter, mais voilà, voilà. On a des joueurs comme ça en face, on a des joueurs comme ça, sérieux. Oh, elle chatte de merde, qu'est-ce qu'elle est horrible cette battle. Le nombre de campeurs qu'on a pu croiser, Betty, charge électrique, elle chatte, on les compte par milliers. Même pas par milliers, on les compte limite par millions. Mais c'est quoi ces campeurs? C'est quoi ça? Oh les gars, on est quoi? On est sur Modern Warfare là, on est sur Modern Warfare. Mais ils se sont tous alliés pour devenir des fils de pute en fait. Elle chatte de merde là, hâte de merde. Putain, non mais 7 ans que ça fait 7 ans qu'il est sorti le jeu. 7 ans et t'as toujours des mecs comme ça qui jouent, ils profitent même pas du jeu. Ils veulent juste être des fils de pute dans la vie. Voilà, genre toi là-bas. En plus, t'as même pas réussi à me tuer. Même mon équipe ça s'y met, hein. Oh les gars, on est à fond, hein. Ouh. On est là, on joue vraiment à fond là dans Call of Duty Black Ops 2. C'est super, hein. Et ouais, voilà, voilà. Bon, de toute façon, la game elle est terminée. J'ai fini en 11-14. Mais le nombre de campeurs, vraiment, ça a été des fils de putland là. Désolé, Skyroll, te vole dans d'herbe. Mais c'est vrai, entre un au top, l'autre à la battle, qui fait Betty charge électrique. En plus, c'était ça. Il faisait Elsa et Betty charge électrique. Je me suis pris des trucs, mais incompréhensibles. Voilà, c'est horrible, les gars. Sérieux, jouez correctement. Sérieux. Allez, on est parti sur la map express de Call of Duty Black Ops 2.
Oh la voix. Bon, dans tous les cas, on est parti sur un map express. Allez, voilà, là j'espère qu'il y aura pas autant de campeurs parce que ça va me rendre fou, vraiment. Normal, on devrait fêter les 7 ans de Black Ops 2. J'aurais la prochaine fois pour les 8 ans, peut-être je ferai un gâteau. Vous savez quoi, on va fêter ça juste en mangeant. D'ailleurs, ces derniers temps, je tombe sur pas mal de vidéos Black Ops 2 pré-alpha où c'est en fait les maps qui n'étaient pas exactement modélisées comme aujourd'hui en fait. C'était en fait les maps qui étaient prévues, tout ça. Et en gros, juste ils ont fait les endroits, tout ça, les lieux, enfin, elles étaient pas finies. Et du coup, il y a eu quelques changements sur certaines, il y en a d'autres qui ont pas vraiment changé. Et j'ai de plus en plus ça dans mes recommandations, donc est-ce que c'est la même pour vous ou il y a que moi là qui est ça? Oh mais toi t'es sale, oh mais en plus avec ton pote, oh mais bande de merde, oh là là, en plus j'ai Black Mandron. Mais du coup voilà, en vrai franchement je regarde et c'est stylé quand tu vois à l'époque rien que la M-Tar c'était la tar, elle était plus fine qu'aujourd'hui. C'est ouf, mais franchement je suis content qu'il y ait ça, je sais pas comment c'est arrivé là, mais j'en ai de plus en plus dans mes recommandations, du coup je regarde souvent. Par contre je commence à être en petite série de 8 là, on va essayer de ne pas mourir et de débloquer la microstation parce qu'on est vraiment pas loin en plus. Oh putain, j'ai réussi à la débloquer. Oh non, putain, je suis mort. Bon, c'est pas grave, j'ai réussi à débloquer la microstation. Putain, je parlais pas, j'étais à mort concentré. Je me suis dit, à tout moment, c'est la pluie nucléaire. Hein. Mais let's go, la microstation pour les 7 ans de Black Ops 2. Oh, mais il m'attend. C'est mignon. Allez, la petite triple. J'ai galéré, j'ai surtout flippé parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit 3. De base, je croyais qu'il était que 2. Putain, mais j'ai redébloqué le micro, mais je suis un monstre en fait. Oh, je suis en 22-1. Putain, je me fais vraiment plaisir dans ce game. Ça fait plaisir de fêter les 7 ans de Black Ops en débloquant, en faisant une double micro dans la game. Oh putain, il m'a fait flipper, putain, je m'y attendais pas à ce qu'il soit là. Et on finit la game en 28K, double micro dans la game, je suis refait. Alors que vraiment, quand j'ai lancé la vidéo, c'était ma première partie en même temps, tout ça. On s'est super bien débrouillé, enfin, surtout moi et I'm Reality Sasuke, mais bon, c'était le mec qui campait dans la game de tout à l'heure, donc j'ai quelques doutes sur son niveau. Mais en tout cas, voilà, au moins, c'est comme ça qu'on aura fêté les 7 ans de Call of Duty Black Ops 2. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Je me suis mélangé avec mes doigts. Et dire que ça fait 7 ans que je joue à ce jeu, 7 ans. Qu'il est sorti, je me suis pas arrêté, même si je joue de moins en moins. Je continue de temps en temps à faire un retour parce que ce Call of Duty est légendaire, c'est vraiment mon jeu vidéo préféré. De tous les jeux vidéo qui ont existé, c'est sur celui-là que j'ai passé les meilleurs moments. Donc voilà, merci Black Ops 2 d'être sorti, merci Activision et Treyarch d'avoir fait un Call of Duty aussi exceptionnel. Moi en tout cas, je vous laisse, n'oubliez pas le code créateur Wilter dans la boutique en ligne de Fortnite, donc continuez de faire sa petite promo. Et si vous êtes intéressé pour vous couvrir cet hiver avec des petits vêtements du Wilter Shop, le lien est dans la description. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous à la prochaine. Et puis encore une fois, merci à vous d'être là, merci Black Ops 2, 7 ans. Et puis voilà, prenez soin de vous à la prochaine. Allez, bye.